Monsieur. I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale aujourd'hui, je suis Johnny D, je suis avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostrada Ben. Comment ça va mon Ben aujourd'hui? Ça va très bien, et puis belle calotte en passant. Yes, toi aussi mon homme, ben, merci. Bien content de faire cette émission-là, parce que tu sais, en septembre, il y a toujours le Festival Western à Saint-Tite. Yes! Et quoi de mieux qu'un artiste comme le regretté Kenny Rogers? Yes, alors ça va être une émission spéciale sur le défunt, non, il est d'accord, il va. Attends, il est mort, fait 3 ans. Ok, c'est ça. Il est décédé il y a 3 ans. Donc, ça commence comme suit, dans le fond. Monsieur Rogers, il est né le 21 août 1980. Il est né à Kenneth Donald Rogers à Houston, au Texas. Il est le quatrième d'une famille de 8 enfants. Il faut se rappeler qu'en 1949, Rogers il a remporté un concours de talent au Texan Theater. Peux-tu dire que c'est un espèce de secondaire en spectacle, si on veut, au Texas? Oui, c'est façon. Comme un concours, comme le concours de chansons à Granby. C'est un peu le même principe. Ouais, au Texas. Exact, exact. Okay. Et puis, concrètement, Kenny Rogers a débuté sa carrière en 1956. Mais pas en solo, par exemple. Non, du tout. Il a connu des succès comme en 1957 avec sa chanson en solo intitulée « That Crazy Feeling ». Peu de temps après, Rogers a rejoint le groupe de jazz nommé « The Bobby Dole Tree ». Le groupe enregistre pour le label Columbia Records, qui est full connu, là, oui. Qui a enregistré plein de grands artistes. Le band a été dissous en 1965. Donc, dans le fond, ce band-là a duré 10 ans. Ouais. En 1966, Rogers a rejoint en tant que chanteur et contrebassiste le groupe folk de New Christy Minstrels. Cependant, Rogers a quitté le groupe avec ses collègues Mike Settle, Terry Williams et Thelma Kamako, car le groupe ne ferait pas les résultats escomptés. Yes. Puis dans le fond, l'année suivante, il y a eu la formation de The First Edition avec ses mêmes collègues. Et plus tard, le groupe deviendra, dans le fond, Kenny Rogers and The First Edition, dans le fond. Le groupe a connu certains succès comme Just Dropped In, To See What Condition My Condition Was In. Rogers faisant le chant principal et la basse est célèbre dans la scène du rêve du film des frères Coen de Big Lebowski. Je sais pas si Big Lebowski. Le band s'est dissous en 1976. Fait qu'encore une fois, un 10 ans, lui, ça y prend du changement au bout de 10 ans. Puis là, c'est justement, ce changement va arriver. Dès 1976, Rogers entreprend une carrière solo qui a été un style plus contre eux. Et cependant, pas mal tout le restant de sa carrière et de sa vie, bien entendu. Il a signé un contrat avec le label United Artists et c'est un début d'association avec le producteur Larry Butler qui durera 4 années, mesdames et messieurs. D'ailleurs, cette même année, il a sorti un album. Est-ce que tu veux en parler? Oui, exactement. Ça s'intitule, dans l'album solo d'ailleurs, Love Lift Me. Il faut ajouter que la chanson Runaway Girl a joué dans le film Track Down de 1976. Petite anecdote. Intéressant. Puis dans le fond, en janvier 1977, il a sorti un deuxième album qui s'est nommé, dans le fond, Kenny Rogers. Juste Kenny Rogers. Ouais. Et puis la chanson Lucille est la plus populaire de l'album. À ne pas confondre avec Que se pense-t-il, Lucille, la chanson des trois accords. Là. Pas confondre avec ta belle-mère. On lui dit bonjour en passant. Oui, bonjour. En effet, la chanson a atteint la première position des charts pop dans 12 pays, se vendant en plus de 5 millions d'exemplaires. C'est pas des peanuts, c'est pas une boîte de closette. Non, sûrement pas. Parlant de boîte de closette, il n'y a personne qui fait du bruit avec une boîte de closette présentement.
25 juillet 77, sortie du troisième album de Rogers, intitulé Daytime Friends. L'album a atteint la deuxième place des charts country. Oui, puis en 1978, il a collaboré avec la chanteuse Dottie West pour la sortie de l'album intitulé Every Time Two Fools Collide. La même année, il sort en solo The Gambler, la chanson du même nom que l'album est un classique qui a vraiment bien vieilli. Ah ben oui, même quoi, c'est quasiment 50 ans plus tard. Oh, ça joue encore. Tu vois, des festivals country, c'est sûr qu'il y a beaucoup de. C'est un classique, là. Ça fait partie des Elvis de ce monde. Kenny Rogers. Logan's Country! Ouais, ah non! 1980, lui et la chanteuse Kim Carnes enregistrent la chanson Don't Fall in Love with a Dreamer qui deviendra un gros hit. En 80 également, il y a eu une collaboration avec le célèbre chanteur Lionel Richie qui écrivait et produisait le hit number one de Rogers. On parle bien sûr de la chanson Lady. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. Ouais, merci beaucoup pour la belle interprétation, mon Astradamine. J'ai pas autant de voix qu'elles autres. Mais... Richie a continué à produire l'album Share Your Love de Roger en 81. L'album qui a de gros succès tels que I Don't Need You, Through the Years, and Share Your Love With Me. Fait que c'est toutes des belles chansons d'amour, dans le fond, que M. Rogers... c'est pas Rogers Water, là. Non, mais sûrement pas. Non. Pas tout à fait le même style de musique, maintenant. Non. C'est pas André Water non plus. C'est ça. En 1981, Rogers a fait l'acquisition de l'ancien bâtiment ABC Dunhill. Ouais. Et a construit l'un des meilleurs studios d'enregistrement de Los Angeles, California, mesdames et messieurs. La chanson We Are the World y a été enregistrée aussi chez A&M Records. Yes. We Are the World pour lutter contre la famine. Yes. Et puis en 83, il y a eu un partenariat de seulement un an avec Barry Gibb des Bee Gees pour l'album Eyes That See in the Dark. À noter que dans la chanson fétiche de l'album Island in the Stream, il était en duo avec la chanteuse country Dolly Parton. Puis d'ailleurs, Dolly Parton, on pourrait faire une émission sur elle. Ah, c'est je sais pas si tu as vu la vidéo récente où est-ce que le monde sont en train de déjeuner dans un restaurant puis Dolly Parton rentre out of nowhere. Le monde, ils sont comme tout surpris. Là, puis là, elle prend le temps de jaser avec le monde. Super. Elle semblait être encore vivante d'ailleurs, Dolly Parton. Ben, genre 115, 116. Ouais. Puis elle a fait quelques collaborations avec des chanteurs et chanteuses. Kenny Rogers. Populaire, dont aussi la chanteuse, comment qu'elle s'appelle, là, la petite blonde, là, Miley Cyrus. Ouais. Elle a fait quelques collaborations avec elle là, récemment. Donc, tu peux continuer, mon ami. On est rendu ici. Toujours en 1983, spectacle live nommé Kenny Rogers Live in Concert. Dans ce show, Rogers a chanté 6 chansons numéro 1 et de nombreux autres succès du top 10 au sommet de son art. Yes. Le show s'est fait au Greensboro Coliseum en Caroline du Nord, mesdames et messieurs. Yes, ensuite de ça, dans le fond, il y a eu la sortie de What About Me en 1984. La chanson titre de l'album a été jouée avec Rogers, James Ingram et Kim Carnes. Également, le single Crazy, co-écrit avec Richard Marx, a dominé les palmarès du country en 84. What About Me, à ne pas confondre avec What About Love. Ouais. À ne pas confondre. Mais tout ça, ça pourrait être bon, Heart, de faire une émission sur ça. Ben oui, c'est sûr. Ensuite, 28 janvier 85, Kenny Rogers était avec 45 artistes, dont Bruce Springsteen. Qu'on a fait une émission spéciale récemment. Oui, vous irez voir ça, c'est très intéressant. Cyndi Lauper, Lionel Richie et plusieurs autres qui ont enregistré la chanson caritative mondiale We Are the World pour soutenir les victimes de la faim. On dit en Afrique, ça peut être dans le tiers-monde, ça peut être partout où il y a de la pauvreté. Là. Yes, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, parce que tu sais, moi, j'adore faire des petites parenthèses. Ouais, ça, et puis, je voudrais simplement te dire que, parce qu'on parle justement de Lionel Richie, et moi, j'ai vu Lionel Richie live au Festival d'été de Québec. J'ai eu l'opportunité de pouvoir être en avant-scène. Ah, ouais. Puis pour vrai, Lionel Richie, c'est un de mes 5 meilleurs shows que j'ai vu à la vie. Ben, Lionel Richie, là, c'est comme genre si tu mets un CD dans ton char, là, c'est identique à ça. Toutes les. Il n'y a pas de fuck-top d'envoi, là. Tous les musiciens étaient tight. Tout était parfait. Assez. En tout cas, je vous conseille honnêtement. Lionel Richie, be there. Donc, en 88, Rogers a gagné un Grammy Award pour la meilleure collaboration country avec voix, avec la chanteuse en duo. La chanson? Excusez-moi. Avec Ronnie Millsap. Make no mistake, she's mine. Fais pas d'erreur, elle est à moi.
Et voilà. Je sais pas s'il parle d'une belle blonde aux yeux bleus. Je sais pas. Peut-être un homme aussi aujourd'hui, on ne sait pas. Ouais, je penserais pas. De 1991 à 94, Kenny Rogers a été l'animateur de l'émission documentaire Real West sur les chaînes de télévision A&E et sur History Channel. Et puis, par la suite, en 1994, Rogers sort l'album intitulé Time Peace sur Atlantic Records. Il se composait de chansons de jazz des décennies 1930-1940, le type de musique qui avait joué à ses débuts avec le Bobby Doyle Tree à Austin, Texas, dans sa ville natale. Houston! Houston. Austin. Ouais. Tu parles de Stone Cold dans la tête. Ouais, 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 je m'excuse. En 1996, Rogers a sorti un album intitulé Vote for Love, où le public a demandé ses chansons d'amour préférées et Rogers a interprété les chansons. Il faut savoir, la petite parenthèse, que plusieurs de ses propres succès étaient dans la version finale. L'album a été un énorme succès et a ensuite été publié dans les magazines sous une variété de titres différents. Il a également atteint le numéro 1 des charts country britanniques sous le titre Love Songs, les chansons d'amour, mesdames et messieurs. Et puis, dans le fond, en début 2000, ouais. Kenny Rogers a atteint 60 ans. Ouais. Et puis, Rogers était de retour au numéro 1 pour la première fois après une décennie avec le single de 2000 qui s'intitulait « Buy Me a Rose ». Avec ce single, il a battu le record de 26 ans détenu par Hank Snow qui, en avril 1974, avait 59 ans lorsqu'il a marqué avec Hello Love. Ouais, c'est ça. Ben lui, ça se trouve être le plus vieux à avoir. C'est ça. C'est comme un record. Hein. Ouais, c'est ça. Comme Gordy Howe, il a joué dans le National jusqu'à 52 ans. Ben, c'est ça. Mais lui, c'est ça. Il avait 60 ans quand il a atteint ça. Top. En 2004, sortie de 42 Ultimate Hits, yes. Qui a été la première collection de hits à s'étendre de ses jours avec la première édition à nos jours et a atteint la sixième place des charts country américains. À noter que deux nouvelles chansons ont vu le jour sur cet album. My World is Over avec Whitney Duncan et We Are the Same. Et puis en 2005, dans le fond, Kenny Rogers a sorti un album double qui s'est super bien vendu en Europe, dans le fond, qui s'intitulait The Very Best of Kenny Rogers. Parfait. 2007, l'album nommé Kenny Rogers de 77 a été réédité, ben, remasterisé sous forme de double CD contenant également l'album nommé Kenny, sorti en 79. Ce qui, encore une fois, a placé le nom de Kenny Rogers dans les charts de vente à travers le monde, mesdames et messieurs. Oui, puis le 26 août 2008, dans le fond, Kenny Rogers a sorti 50 Years en lien, j'imagine, à son 50e anniversaire de carrière. Ben, c'est sûrement pas le 50e anniversaire de mariage de ses parents, je pense pas. Non, c'est ça. Dans les magasins Cracker Barrel, l'album comprenait certains des plus grands succès. Fait que dans le fond, c'était comme un best-of. Puis j'imagine qu'il va y avoir autres chansons avec ça. Ainsi que trois nouvelles chansons. La sortie de l'album est pour célébrer justement, c'est ça, son 50e anniversaire. Fait que dans le fond, et puis Rogers, dans le domaine musical, il a atteint... Pour les 50 ans de carrière. Exactement. Toujours en 2008, Rogers a fait une tournée avec son spectacle de Noël. Il a divisé son show en deux parties. La première, son best-of, et la seconde, ses chansons de Noël. Et puis, dans le fond, le 10 avril 2010, une émission spéciale télévisée a été enregistrée. Kenny Rogers, The First 50 Years. Les artistes Dolly Parton et Lionel Richie étaient parmi ceux qui devaient se produire avec Rogers lors d'un spectacle célébrant sa contribution dans le monde de la musique. Comme on a mentionné tantôt, ils ont été pour beaucoup dans la carrière de Rogers. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu collabores avec des artistes, là, tu te fais un nom aussi. Là. Ben ouais, tu sais, tantôt, on parlait dans le fond de... Tu sais, Marc Dupré quand il a chanté avec Céline Dion. Puis, ouais, Garou quand il a chanté avec Céline Dion. Ben ouais. Ils se sont fait un nom avec ça. Ben exact. Puis tu sais, on parlait tantôt de Dr. Dre, tu sais. Ben, il y avait un feat dans un des albums avec Snoop Dogg. Ouais, parce que... Ça allait aider les carrières de chacun, tu sais. Tu sais, c'est ça. Tu t'intègres avec quelqu'un qui est déjà introduit dans le milieu. Comment se propulser en tout le monde ensemble pour faire avancer des choses. Tu sais. Exactement. Exact. OK, en 2013, mesdames et messieurs, il faut savoir que M. Rogers est intronisé au Country Music Hall of Fame. Yes, et puis toujours en 2013, Rogers enregistre un nouvel album sous le nom de You Can Make Old Friends. Cet album comprenait la chanson titre de nouveau en duo avec son ami de longue date, Dolly Parton. 2015, Kenny Rogers annonce une tournée d'adieu intitulée The Gambler's Last Deal. Hey,
Ouais. À noter que les dates de ces spectacles étaient prévues jusqu'en 2018 et comprenaient des shows aux États-Unis, en Australie, en Écosse, en Irlande, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suisse. Tabarnache, on fait le tour de la planète. Ben, c'est sûr. Ça va bien dire ça. Ben oui. 5 avril 2018, il a été annoncé que Rogers avait annulé sa tournée restante sous les conseils médicaux parce qu'il y avait des petits problèmes de santé. Mais là, à l'âge qu'il avait, il y avait quoi, 77 dans ses 38. Et puis, on a parlé qu'en 2013, dans le fond, il a été tronisé au table de la renommée du country, mais cette fois-ci, en 2017, ouais. Benoît, il a été intronisé au temple de la renommée de la musique country, mais cette fois-ci au Texas. Ouais, puis je pense qu'il aurait pu être au Texas avant d'être vu qu'il est natif de là. Ben, c'est sûr. C'est juste mon point de vue. Exact. Et puis, dans le fond, le 25 octobre 2017, il y a des dates importantes. Date du dernier concert de Rogers au Bridgestone Arena de Nashville au Tennessee. D'autres vedettes ont participé, dont Linda Davis, Il King, Little Big Town, Lionel Richie une fois de plus, Billy Currican, Lee Greenwood, The Flaming Lips, The Oak Ridge Boys, Justin Moore, Travis Tritt, les Judds, et j'en passe. Là. Je ne les nommerai pas tous. Là. Le concert comprenait également une apparition spéciale de celle qui fut sa partenaire. Oui, apparition surprise, ça devait être. Ouais, ouais. Ça devrait être comme Céline C'est pleine quand Jeanette Renaud est arrivé à la fin. Ça devait faire une affaire de moins, ouais, probablement. Dans le monde. Elle chantait tellement qu'elle a même. Moi, elle est venue me chercher. Elle a collé un coup de batte dans la face à Céline. Mon gars, je sais pas si t'as vu. Là. Ben, t'avais-tu été où? Ben, man, j'étais là. Ah, t'avais été sur les plaines? Ben, j'étais là. Ah, moi, c'était sur l'écran GL. C'est sur l'écran GL, Yvick. Moi, j'étais là. Mon père et ma tante. J'étais là, mon gars, man. Céline Dion, tu sais, elle chante super bien. Là. Mais, man. Jeanette Renaud, c'était une classe à part. Là. Je peux te dire une affaire, à un moment donné, man, ils chantaient ensemble, là, puis ils essayaient de tenir. Là, puis Jeanette Renaud, man, elle aurait pu tenir encore 10 minutes. Elle avait de l'air brûlée, Céline. Tu sais, peut-être plein quoi dans l'interview avant le show, puis qu'elle avait de l'air brûlée. Mais tu sais, je comprends. Ouais, c'est sûr. Les shows à Vegas, elle était ouais, partout dans le monde. C'est ça, puis on sait ce qui sent, on sait ce qui suit. En fait, Céline Dion, ça serait intéressant éventuellement d'avoir une émission. On en reparlera. D'avoir une entrevue, ça serait compliqué. Ouais. On n'est pas Michel Jasmin ni Michel Drucker. Non, mais, c'est sûr. Mais ça serait cool. Ben oui. OK, mais Monsieur Rogers, en plus d'avoir été un chanteur, Kenny Rogers a également été acteur dans certains films, là, comme Six Pack, sorti en 1982, Long Shot en 2001. Puis on a pu le voir également dans un épisode de Dr. Queen, femme médecin, mettant en vedette la très talentueuse Jane Seymour, mesdames et messieurs. Et puis, durant toute sa carrière, Kenny Rogers a enregistré 65 albums et vendu plus de 165 millions de disques à travers la planète. Pour ajouter tout dans sa vie sentimentale, que Rogers a été marié 5 fois, il a eu 5 enfants. Puis, malheureusement, journée fatidique le 20 mars 2020, décès de Kenny Rogers à l'âge de 81 ans. Yes. Donc, il était sous les soins palliatifs à son domicile de Sandy Springs, en Géorgie. Il est enterré dans le cimetière d'Oakland, à Atlanta. Yes, alors c'est ici que se termine notre émission spéciale sur une icône la plus importante du country. Il s'agit de Kenny Rogers. Merci mon Ben. Ben, ça fait plaisir mon ami. Yes. Alors, merci cher Wrestle Rockstar. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.